Regardez la différence, s'il vous plaît. Donc là, c'est avec l'eau d'Oresson, sans l'eau d'Oresson. Donc je l'ai laissé poser toute la nuit. Non, elle marche super bien. Bon, je l'utilise rarement pour le corps, moi. J'utilise uniquement pour le visage, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour le corps aussi. Je vous en ai parlé pas mal de fois. Je l'utilise toujours à cette période de l'année parce que je ne me maquille pas et ça me laisse vraiment un effet bonne mine, un teint allé. Donc, elle est à base d'extrait de vanille et d'acide hyaluronique. Donc, ça a des bienfaits aussi pour la peau. Elle n'a pas de mauvaise odeur et elle ne tache pas les vêtements. Ça sèche en quelques secondes. Donc, franchement, c'est le top. J'utilise vraiment pour le visage vu que je ne me maquille pas. C'est vraiment mon allié. Ok, maintenant je laisse sécher. J'ai commencé, on est quoi dimanche, j'ai commencé en début de semaine à reprendre donc l'eau d'Oresson, à me l'appliquer sur le visage pour avoir un teint allé puisque j'en ai marre de ressembler à un spasson yok. Et vu que je ne me maquille pas, j'avais le teint beaucoup trop fatigué. Donc du coup, je l'applique une fois tous les deux jours, ça suffit largement. Normalement, c'est une fois pendant trois jours et vous laissez une semaine. Ça, le teint allé en fait arrive progressivement. Mais moi, je fais une fois tous les deux jours. Voilà. Elle marche super bien. Une belle adresse sur Marseille, un bon resto italien, le Mariole, donc qui se situe à la rue Sainte, en plein centre-ville de Marseille. Vous en avez un à Salon-de-Provence et un à Aix-en-Provence. Donc c'est spécialité italienne, je vous partage les deux réels, vous allez voir, ça donne trop envie. D'ailleurs, ça m'a tellement donné envie de suivre sur leur Instagram. Et franchement, ils sont adorables.